La faune sauvage continue de mourir en silence et rien ne semble pouvoir stopper ce désastre. Les girafes sont menacées d'extinction selon la Fondation pour la conservation des girafes. Présents auparavant dans 28 pays africains, les girafes ont disparu dans au moins 7 d'entre eux, avec entre 100 000 et 110 000 animaux restés dans la nature. Face à ces chiffres alarmants, 6 pays africains dont le Tchad et le Kenya souhaitent réguler le commerce international de cette espèce. Au cours des 30 dernières années, nous avons perdu environ 35% de la population de girafes. Il nous reste environ 110 000 girafes dans la nature. Cela signifie que nous avons perdu environ 35% de la population en 3 générations. Il s'agit donc d'un déclin assez marqué. Si vous regardez les informations dont nous disposons, les girafes ont disparu dans 7 pays africains. On ne les trouve plus que dans 21 pays. Et le Kenya est le seul pays qui possède 3 types de girafes. En 2018, l'Union internationale pour la conservation de la nature a inscrit la girafe de Rothschild sur sa liste rouge des espèces menacées. Les girafes réticulées et Maasai ainsi que les sous-espèces de Nubie et du Kordofan sont classées comme étant en danger critique d'extinction. On estime à 1400 girafes matures du Kordofan et 455 girafes nubiennes encore dans la nature. La première menace pour la faune africaine est la perte d'habitat. Il s'agit d'une compétition pour l'espace entre les activités humaines et les besoins de la faune sauvage. Les activités humaines sont le besoin d'agriculture, l'industrialisation, les établissements humains, les infrastructures dont nous avons besoin pour le développement qui sont en concurrence pour l'espace, pour la faune et la flore sauvage. La deuxième menace pour les girafes est la chasse, les mauvaises pratiques de chasse et aussi le braconnage qui est en grand nombre. Le changement climatique joue également son rôle, la sécheresse et l'instabilité des conditions météorologiques menaçant les sources d'alimentation de la girafe.